Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Frostpunk où du coup on continue notre petit scénario 2, à savoir les arches. Alors, on en était où? Donc on avait une baisse de température qui arrivait, mais nos radiateurs ne sont pas allumés, donc une fois qu'elle y sera, on devrait être bien. On a un automate, je rappelle, qui est en train de rentrer tranquillement vers la ville. Et eux aussi, non, eux je les avais envoyés ailleurs je crois. Oui, eux je les ai envoyés chercher le Dreadnought perdu. Ils sont toujours en train de chercher les plans qu'on a réussi à paumer dans le blizzard. Donc notre objectif, déjà on va mettre en vitesse 1 tranquillement, hein, que le temps passe. On venait de construire ici une centrale, une mine de charbon. Donc je pense que dès que l'automate sera arrivé, on en fera une autre ici, on le fera travailler jour et nuit à ramasser du charbon. Il faut qu'on arrive à rentabiliser au maximum nos personnes, parce que j'ai pas l'impression qu'on aura la possibilité, en tout cas pour l'instant, d'avoir d'autres survivants qui viennent. On n'attend pas de renfort et tout, on est vraiment les 45 péons envoyés dans les étendues glacées pour s'occuper des cerfs quoi. Donc du coup on va éviter toutes les lois qui risquent de provoquer des morts comme la rotation d'urgence, ce genre de trucs. Et on va essayer de faire en sorte que nos personnes soient le plus optimisées entre guillemets possible, hein, tout simplement. Qu'elles aient pas froid, qu'elles aient de quoi bouffer, etc. Au niveau nourriture, on est pas mal. C'est pas ouf, mais on est pas mal. Alors voilà, là par contre il fait trop froid. Alors par contre ce qu'il faut c'est qu'on... Donc il nous met un petit message, voilà. Donc vous voyez là on a température trop basse et il y a la semence qui commence à geler. Donc on va se contenter d'allumer les radiateurs, ça suffira pour l'instant. De même dans notre serre là. On voyait que ça va remonter demain, par contre ça redescend après-demain et dans 4 jours ça va rechuter de 2 niveaux supplémentaires. Donc il faut que d'ici là on soit capable de chauffer d'au moins 3 niveaux nos arches quoi. Donc du foyer plus du radiateur plus encore autre chose. Au niveau des recherches, on était en train de faire, ah oui, plus de bois, ça me va. Hop là, on va enlever la pause, on va se repasser en vitesse 2, on a fait un peu le point. Au niveau du charbon, comment on était? Non, c'est pas ça. Au niveau des des ressources, c'est toujours pas ça. Je vais y arriver. Voilà, c'est là. Au niveau du charbon, on en consomme beaucoup trop, notamment à cause des radiateurs. Ça devrait s'améliorer quand notre automate va se pointer. Au niveau de la bouffe, le gars va bosser à faire des rations aujourd'hui, donc ça devrait aller. Au niveau des maladies, on est plutôt pas mal. Au niveau de la température dans les maisons, on est bien. Et au niveau de l'acier, on ramasse 57 d'acier et 48 de bois. Il nous faudra un petit peu plus de bois, mais je pense que les scieries améliorées devraient aider là-dessus. Donc pour l'instant, ce qui nous manque, c'est du bois et du charbon. Le charbon, heureusement, on a quand même fait un assez bon stock. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a un petit vent froid là. Alors, les éclaireurs ont atteint le Dreadnought perdu. Le véhicule principal de notre expédition abandonné au milieu d'une crevasse. Il sera certainement difficile de l'explorer. Et nous devons retrouver les plans d'usine à son bord. Donc on a bien une technologie à acquérir, c'est parti. Alors que nous descendons un rappel dans la crevasse, nous frissonnons un craquement dans la glace cédant sur le point du monstre d'acier. J'avoue, il est enfoncé moitié dans l'eau le truc, ça fait un peu flipper. Après une bonne heure de recherche, nous retrouvons le document contenant les plans d'usine. Cool. Les conditions météo empirent, nous devons faire parvenir les plans en ville le plus vite possible. Il nous faut des automates pour préserver la ville et les arches de semences. Donc on a découvert des dunes enneigées et de la glace craquelée. Mais clairement là par contre on va rentrer. Hop, on va donc les envoyer vers la ville. Ils vont revenir en 19h, c'est nickel, ils vont même arriver avant l'automate quoi. On a découvert plein d'autres trucs assez loin. Qu'on va pas faire de deuxième équipe d'éclaireurs tout de suite, hein. On a vraiment pas assez de monde pour envoyer 10 personnes dans l'étendue. On va essayer de faire en sorte que celle-là ne décède pas. Et puis elle fera son taf hein, quand elle pourra. On a retrouvé les plans d'usine. Rapportez les plans, construisez une usine et fabriquez 3 automates. Ok. Ce qui veut dire que il va falloir assez vite également qu'on parte sur... exploration, industrie, en fait on n'a rien d'autre, très bien. Je voulais partir sur la tech qui permet de rentabiliser les automates, mais vu que, oui, j'imagine qu'ils voulaient pas qu'on cherche le truc d'industrie, ils ont viré ça.
peut-être que ça réapparaîtra, on verra. Il y avait une tech qu'on avait fait dans le premier scénario qui permettait que les automates coûtaient moins cher. Ça pourrait être intéressant, du coup, on verra. Déjà, on va essayer de faire en sorte d'avoir ce qu'il faut en bois. Là, on va pas se lancer dans la construction de la du deuxième truc de charbon tant qu'on n'a pas tant qu'il n'est pas à une distance raisonnable, lui, hein, ça sert à rien. Ici, on fait de la nourriture, très bien. On fait des rations. Il faut qu'on fasse 45 rations par jour, hein, normalement. On devrait y être. Hein. Voilà, on en fait 54 par jour, même pas 40. Ils en bouffent que 40, les mecs. Ils sont 45, mais ils en bouffent que 40. Bah, on va pas se plaindre. Alors, on a fini une recherche. Donc nos scieries vont être plus efficaces, c'est une très bonne nouvelle. Amélioration du dépôt de ressources. Les dépôts de ressources peuvent stocker 50% de ressources en plus, hein, c'est pas mal ça hein, dans le thème. À ce niveau là on a tout fait. À ce niveau là, non, il nous faut de la chaleur. Donc on peut accroître la portée, ou alors la puissance. Si on accroît suffisamment la portée, on pourra englober les serres qui sont autour peut-être. On va partir sur la portée. On l'activera peut-être pas tout de suite, hein, mais là si on a... on est comment? Non, c'est pas là. C'est quand on le prend. Voilà, là on est là. On va arriver ici, et un niveau de plus, et on arrivera sur ces arches-là, ce qui sera pas un mal. Donc pour l'instant on n'est pas trop mal, avec les foyers là la température est bien supportable, donc on peut se permettre de perdre des niveaux sur cela. On va repasser en vitesse 2. Eux par contre ils caillent peut-être dans le froid, on va leur mettre le chauffage ici pour limiter un peu les maladies. Sachant qu'ici on construira probablement, quand on aura, si on peut libérer du monde ailleurs, on construira probablement un foyer et puis une autre scierie dans le coin là. Bon, l'automate aura pas besoin de chaleur, mais comme ça il pourra faire des allers-retours au foyer plus vite. Alors fin de la journée, donc là notre charbon est resté stable pendant qu'il ramassait, mais maintenant il va se casser la gueule. Donc du coup par contre on va économiser, on va recouper là, tant pis, hein, c'était pas ouf, mais c'est pas grave. Nos foyers vont se couper, donc ici on va redescendre à une température frais quoi, c'est suffisant. Là le charbon, il faut qu'il arrive lui. Bah vu qu'ils sont tous rentrés, ce qu'on va faire, c'est où? C'est là, voilà, une mine de charbon. On va leur demander de bosser sur une mine de charbon pendant leur temps libre, tant qu'à faire. Tout simplement, voilà. Comme ça, ça sera plutôt bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai un message quelque part? J'ai entendu un bruit de notification, mais je ne vois rien. Ah oui, non, c'est qu'on a, on peut signer une nouvelle loi. Bah pour l'instant, on n'a pas trop besoin des duels, non. C'est pas du tout dans le thème. Un pub, c'est pareil, c'est pas trop une urgence. Un cimetière, ça pourrait être pas mal. On va faire le cimetière. Bon. Si, on va le faire, parce que si jamais on a des morts, ça permettra d'éviter que l'espoir se casse la gueule dramatiquement. Donc c'est pas plus mal. C'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Du coup, il faut qu'on en construise un. On a plus beaucoup de bois. Hein. Ça coûte combien un cimetière? 10 de bois, on peut se permettre. Alors, faut qu'on le mette à un endroit un peu loin. Où il fera pas chier le monde. On va le mettre là. Il sera très bien là. Comme ça, ça devrait les occuper pour la soirée, les mecs. Et lui devrait arriver dans la nuit, plus ou moins. Donc on le mettra à bosser dès qu'il arrive, hein, sur la petite mine de charbon qui sera, j'espère, construite d'ici là. Parce que c'est vrai que du coup ils mettent un paquet de temps à y aller, là, ils traversent par ici quoi. Il va peut-être falloir qu'on fasse mieux là-dessus. Hein. On va construire des rues un peu plus cohérentes. Alors ça fait chier, on peut pas les faire en diagonale, hein, bien sûr, non. Donc, on va faire un truc comme ça. Si jamais on met des bâtiments ici, on les mettra... Alors je sais pas si ça sera quand même plus court pour eux là. Visiblement ils ont bien envie d'aller par là, mais vous voyez, hein, ils se baladent dans le froid, ça aide pas du tout. Hein. Ils caillent à mort les mecs.
qu'on fasse gaffe. On a fait le cimetière, c'est nickel. Faut qu'on fasse gaffe parce qu'on a qu'une seule tente de soins active. Hein, donc si on dépasse 5 ici, faut qu'on ouvre la deuxième. Qui pour l'instant est éteinte. Et coupée. Bon, visiblement, ils prennent quand même ce chemin-là, même si je leur ai mis une rue. Enfin, au moins là, ils marchent pas dans la neige. C'est toujours ça de prix. J'ai pas envie de construire cette rue-là tout de suite parce qu'elle pourra nous bloquer des bâtiments là. Ça m'embête. Je préfère faire les bâtiments, éventuellement contourner un peu. Enfin, on verra quand on y sera, mais. Ah, on va bientôt avoir un gros pool de ressources quand eux vont arriver, c'est cool. Voilà, les éclaireurs sont rentrés en ville. Donc on a 4 noyaux, 130 d'acier, 100 de bois, 50 de charbon et une usine. C'est parfait. Donc on va mettre pause et on va les renvoyer par contre eux. Alors qu'est-ce qu'on a? Un bâtiment en ruine. Les ruines endégées d'un grand bâtiment industriel, ok. Une grotte. On va les envoyer vers le bâtiment. Ça me paraît... avec un peu de bol, on trouvera une nouvelle tech, ou au mieux, des ressources, quoi. Ici, ils ont pas réussi à le construire de toute la nuit, le bâtiment, c'est un peu chiant. Visiblement, marcher dans la neige, c'est trop compliqué. Par contre, niveau bouffe, on est bien, ça c'est la bonne nouvelle. Et on peut donc construire une usine. Alors, niveau de chaleur de base 2, quelle taille ça fait, ce machin? Ouais, c'est balèze. On va la faire là. Ça nous permettra de compléter notre rue là. Hop. Et hop, voilà. On pourra mettre un bâtiment dans ce trou là. Bon, pas dans le petit qu'est là, mais c'est pas grave. Je veux construire mes bâtiments près des arches tout simplement parce que c'est là qu'on va faire de la chaleur. Donc, du coup, autant qu'ils soient dans le coin. Allez, les mecs, au boulot! Il va falloir qu'on mette des gens dedans en plus. Donc on va devoir sacrifier un peu de la recherche peut-être. Voilà, la température remonte, c'est parfait. Donc on va en profiter pour couper les radiateurs là où c'est plus utile. Hop, s'il te plaît, merci, voilà. Comme ça, on va économiser un petit peu du charbon qu'on n'a pas en quantité de fou. Hein. Ouais, on enlève la pause. Donc on a quand même 4 malades. C'est pas ouf. Ici, peut-être falloir qu'on diminue un petit peu le nombre de personnes qui est là. Hein. Alors, l'automate est arrivé. Il est parfaitement opérationnel et prêt à travailler. Parfait. Alors, est-ce que notre mine de charbon est faite? Pas encore, heureusement. Bah du coup ce qu'on va faire pour l'instant c'est qu'on va virer les gens ici et on va mettre l'automate là. On le bougera après. Mais déjà ces gens là vont être libérés et vont pouvoir aller bosser sur les constructions. Et du coup éventuellement ici. Ici on va faire deux automates du coup. Il nous coûte voilà 100 d'acier, 100 de bois. Alors est-ce que au niveau des recherches ça nous a débloqué... Ouais voilà ça nous a débloqué ça là. Intégration des automates, rationalisation des automates. Sauf qu'il nous faut encore deux niveaux donc c'est pas tout de suite. Ouais, on va y aller, on va s'y déplacer tranquillement, mais c'est pas tout de suite. Donc ici, on va mettre 3 personnes, par exemple, pour commencer. Ça me paraît pas mal. On va en laisser 6 qui vont bosser sur les trucs à construire. Donc bah, ils ont pas assez de ressources, hein, donc ils vont rien faire pour l'instant. Remarque, c'est un peu con, on va les virer. On n'a pas assez de personnes pour se permettre. On ira les remettre quand on aura assez pour lancer un automate. Là, j'aimerais bien qu'ils en finissent avec ça, si possible. Parce que c'est quand même vachement long à construire, ce truc. Ah, la portée du générateur, c'est fait. Alors, du coup, la question. Est-ce qu'on partirait pas direct là-dessus? Des machines à dessiner, le niveau 2, là. Parce qu'au niveau chauffage, on a la puissance, ici. Mais si on va au niveau 2, on pourra partir sur des radiateurs améliorés et des coupleurs de multiplicateurs. Ça me semble quand même plus intéressant. On va partir sur le niveau 2 dans la foulée. Du coup on a bien sûr pas du tout assez pour faire nos automates, mais tant pis, on peut pas tout faire. Donc ici on va remettre un max de gens, c'est parti les gars. En attendant qu'on s'en serve, l'usine on va la couper hein, pour l'instant, il n'y a pas de stress non plus. On a personne qui bosse à l'acier sauf l'automate, donc on va le laisser. Au niveau du charbon, du coup, on est comment là?
On en gagne suffisamment, mais si on avait nos radiateurs qui tournaient, on serait encore en positif, donc c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est une très bonne nouvelle, du coup. Ici, on peut complètement enlever des gens, par contre. Alors, il y en a qui ont faim, alors qu'il y a de quoi bouffer, ça, on n'y peut pas grand-chose. On va les envoyer plutôt bosser au bois, pour faire un peu plus de bois. Et je pense qu'ici, ouais, on va construire, vu qu'on a beaucoup d'acier, un foyer de vapeur. On va le mettre là, comme ça on pourra mettre une scierie dans le trou qui est à côté. On va même le mettre ici, tiens, comme ça il couvre... Même si ici il y a un automate, si jamais on a besoin d'y mettre des gens, mieux vaut qu'il soit couvert. On va le poser là. Et comme ça ici, on pourra mettre une scierie quand il y aura besoin. Elle sera au chaud comme ça. Donc niveau nourriture, on en a pas des masses, mais c'est pas grave, hein. On a un mec qui bosse à la cuisine, on a largement le stock qu'il faut, et on a enlevé quelques personnes ici pour en préparer. Donc c'est pas un problème du tout. Ici il faut que l'automate se bouge pour y arriver, je sais même pas s'il ramasse déjà d'ailleurs. Ça se trouve, à partir du moment où on l'a... Ouais, il est déjà en train de ramasser en fait, même s'il y est pas encore. Je rappelle que l'automate est considéré comme bossant 24h sur 24, même quand il s'arrête pour aller se recharger et tout, ça continue de tourner. Hein. Donc, les animations visuelles là-dessus sont un petit peu différentes de l'animation réelle de l'automate qui bosse, donc faut absolument pas hésiter à l'envoyer le plus tôt possible. Quoi. Alors, le projet automate, recherche fondamentale. Capitaine, un ingénieur demande une journée de congé pour étudier un automate. Ces automates peuvent être améliorés, ils représentent peut-être le plus grand avancement de notre technologie passée, mais si nous savons comment les assembler, nous pourrions sans doute les améliorer. Si je passe un peu de temps avec n'importe quelle machine, je suis capable d'améliorer les performances, cela ne sera pas différent avec les... Ah non, si je passe un peu de temps avec n'importe quelle machine, je suis capable d'améliorer ses performances, donc ça ne sera pas différent avec les automates. Un mec qui travaille pas pendant 24 heures, oui, on peut complètement se permettre, vas-y mon pote, boss. En plus, il arrête même pas l'automate quoi, donc autant qu'il y aille. Hein. Moi j'ai pas de soucis avec ça. Donc du coup j'imagine que ça doit être lui, non c'est un mec qui était malade. Je sais pas où il est le gars, ah il était peut-être là, on était trois je crois ici. Je sais plus, ouais, je sais pas où il est le mec, on sait pas où il est, c'est pas grave, hein. C'est pas trop un problème. Donc ici on va consommer un petit peu de charbon, on va le mettre en heure de journée. Hein. Y a pas besoin qu'il tourne 24h sur 24 celui-là. Encore moins que les autres, voilà. Donc comme ça, eux, ils seront bien. Même quand ça va baisser, ils seront pas pires. Par contre, ouais, les mecs qui bouffent pas alors qu'on a de la bouffe, c'est toujours un peu chiant. Mais lui, on va le dégager. On va l'envoyer bosser aux recherches plutôt. Parce que pour l'instant, on a 2 jours de ration. Et on est quand même sur une partie où le nombre de personnes fait qu'il faut qu'on optimise un peu. Donc on va faire du micromanagement. Lui ça y est il est arrivé, il commence à faire son taf qui se faisait déjà mais comme ça au moins on est sûr. Donc le charbon du coup, qu'est-ce que ça donne? Pour l'instant ça stocke. C'est parfait, d'ailleurs je pense qu'il va complètement falloir qu'on fasse des bâtiments pour améliorer le stockage. Alors on a terminé les machines à dessiner, c'est pas ça. Et on voit qu'on a à peine récupéré 70 de bois le temps de faire la recherche hein, donc... On va partir sur les radiateurs parce que ça nous permettra d'allumer que ça et ça sera quand même plus rentable en termes d'efficacité pour l'instant, on va dire à court terme quoi. Je pense qu'on aura le temps de faire les autres d'ici que celle-là arrive. Combien coûte un dépôt de ressources? 42 bois et 20 d'acier. Ah, ça fait chier un peu, hein. Mais on va en faire un. On va le mettre là à côté du cimetière, c'est pas la peine de se mettre trop proche de nos constructions, enfin de nos zones de chaleur et tout, ça sert à rien. J'espère qu'il va pouvoir améliorer l'automate le mec, ce serait cool. Ah ici on est descendu à 3, c'est peut-être là qu'il était le mec. En fait. Allez bouffer, allez me construire mon truc de ressources s'il vous plaît. Donc lui va continuer de bosser toute la nuit, donc du coup je pense qu'on sera bien, ouais ça bouge pas. C'est parfait. Pour l'instant ça se passe plutôt pas mal. On verra une fois qu'on aura allumé nos radiateurs ce que ça donnera en termes de température, mais pour l'instant on est plutôt pas mal. Alors ici, on va stocker du charbon.
Voilà. Parce que c'est le charbon pour l'instant qu'on a besoin en grande quantité. Il nous faudrait plus de bois également. On verra si on peut. Ouais, on peut pas trop se permettre d'enlever des gens du charbon. Peut-être d'enlever un peu des gens de la nourriture encore. On verra en termes de ration où on en est demain. Sinon, on va devoir sacrifier les recherches. Hein. À un moment, il faut. Sachant que nos éclaireurs, avec un peu de bol, nous apporteront des trucs intéressants. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Dès qu'on aura assez, on construira une deuxième scierie dans le coin, là. À côté du foyer de chaleur. Elle a encore beaucoup à ramasser, 452. Donc on construira une deuxième scierie ici, et on prélèvera des gens un petit peu à droite à gauche pour aller bosser dedans. Il faut qu'on puisse faire des automates, parce que si on fait des automates, tout simplement, ça nous libérera des personnes. Hein. C'est l'objectif. Après, on pourrait peut-être aussi arrêter lui 2 secondes et l'envoyer sur la scierie. On va peut-être faire ça plutôt. Parce que pour l'instant, la scie, avec les ressources que nous ont amené les éclaireurs, on est large. Donc on va peut-être plutôt récupérer cet automate et l'envoyer sur une scierie. Mais avant, il nous faut de quoi construire une scierie. Je crois que c'est 10 bois la scierie. Ouais, c'est 10 bois, donc on pourra la faire assez tôt le matin. Allez les mecs, on se lève. Donc la température va se casser la gueule. Alors, nos éclaireurs ont atteint les bâtiments en ruine. Ce bâtiment a été détruit par une forte avalanche, l'intérieur rempli de neige, mais on devrait pouvoir récupérer des ressources. Donc du charbon et de l'acier, bah parfait. Nous avons découvert d'abondantes ressources en creusant la neige. Ce n'est malheureusement pas tout ce que nous avons trouvé. Une avalanche a tué tous ceux qui travaillaient ici, leurs cadavres sont durs comme de la glace. Leurs vêtements relativement légers ainsi que les insignes de prospecteurs de sa majesté suggèrent qu'il s'agit d'explorateurs envoyés dans le nord à la recherche de lieux appropriés pour des générateurs. Il vaut peut-être mieux pour eux qu'ils n'aient pas assisté à la chute de l'Empire. On prend les ressources, bien sûr. On va peut-être pas les ramener tout de suite. Ici on a quoi? Une dune enneigée. Cet endroit est la seule chose intéressante dans les environs. Bah ouais, c'est pas ouf, hein. Et de la glace craquelée. Ouais. Ouais. Bah allons-y pour une dune enneigée alors, hein. Ça envoie pas du rêve, mais bon, avec un peu de bol, on ramassera 2-3 conneries. Alors ça y est, voilà, le froid arrive. Donc on va allumer les radiateurs là où il faut les allumer. Hop là, hop là. Et ici, voilà. Et quand ils commenceront à bosser, on leur allumera. Bah non, ils ont même pas besoin, ils ont ce qu'il faut là avec le foyer. Même pas de stress. Allez, 10 de bois, voilà. 10 de bois, c'est parti. On fait une scierie dans le coin. Alors ici. Bah ça rentre pile poil là, donc on va la faire là. Nickel. Et dès qu'elle est prête, on envoie l'automate qui bossait sur l'acier y travailler. Il nous faut 100 de bois pour pouvoir lancer notre notre automate, hein. notre premier automate, on va dire. La recherche avance bien, c'est cool, les radiateurs améliorés, donc là ils vont être bien au chaud les trucs. Les graphismes sont quand même vraiment sympas de ce jeu quoi. Et le côté steampunk est vraiment bien rendu. Ici on peut complètement couper hein, le radiateur vu qu'il y a le foyer à côté. Ils auront froid pendant, pendant la nuit, mais c'est pas grave. Alors voilà, on a fait la recherche et on a récupéré que 57 de bois. Des foyers plus longue portée, ça sert à rien. Plus de puissance dans le générateur, on va partir là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin d'un cobaye. L'ingénieur qui travaille sur le projet d'automate est de retour. Il veut emprunter un automate. Je suis proche d'une percée, juste besoin d'un automate pendant une journée. Je pense pouvoir vous proposer des modifications spécifiques. Puis ils vont augmenter leur performance de manière permanente. Alors, un automate qui ne travaille pas pendant 24 heures. Ouais, allez, on va le faire. S'il permet de gagner même ne serait-ce que 10%, ce sera toujours ça de prix. Donc c'est celui qui travaillait au charbon. Bon bah du coup, non, par contre... pause, on se détend, je clique sur les bâtiments, voilà. Il nous faut un automate au charbon, là il n'y a pas de débat. Donc ça on va le couper pour l'instant, tant pis. Non, on ne le démantèle pas, on le désactive. Voilà. Donc lui ne va rien faire du coup pendant une journée, ben, c'est pas grave. Ils bosseront à la scierie demain, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi? On a un mec qui fout rien, c'est quoi? C'est un ingénieur. Ah, je sais pas d'où il vient. Bon, on va l'envoyer là du coup. Bosser sur les recherches. C'est parti.
Est-ce que j'ai vu recherche arrêtée ou j'ai mal vu? Non. Je t'ai pas envoyé bosser là-bas. Pourquoi tu construis? Je t'ai pas demandé de construire. N'importe quoi, tu vas bosser là. J'aime bien ce que j'ai fait. Ça m'aurait emmerdé qu'ils prennent celui-là pour aller bosser là et que du coup ça ne marche pas quoi. Mais... Voilà, donc le charbon augmente doucement. Donc ici il va faire trop froid, mais normalement ça dure 24 heures. Hein. Donc on va en profiter pour tester. On va voir si on peut économiser un chouille de charbon de ce côté-là. Si jamais je vois que ça a l'air d'aller trop vite, j'activerai le radiateur, hein, bien sûr. Pas perdre une arche comme ça pour un test, ce serait con. Au niveau nourriture, par contre, il va falloir qu'on réenvoie quelqu'un s'en occuper. Ici, on n'a pas beaucoup de malades, donc on va envoyer quelqu'un là. Hop. Et on va la réactiver le bâtiment, bien sûr. Sinon, ça marche moins bien. Donc par contre, quand notre recherche sera terminée, niveau charbon, ça va partir en sucette. Hein. Je crois qu'on peut pas faire mieux d'ailleurs en termes de mine de charbon. Là non, c'est plein. Il n'y a pas d'autre endroit où on peut le faire, donc on va peut-être devoir faire quand même la tech pour chercher du charbon dans le sol là. S'il faut qu'on la fasse, on la fera, hein, c'est pas grave. Par contre les mecs, ah oui ok, en fait il n'y a plus du tout assez de monde là. On va peut-être pas passer à 0%, c'est un petit peu abusé. Voilà, allez là les gens. On va plutôt alterner de cette façon là en fait, c'est plus intelligent. Eux feront un peu moins de nourriture crue mais du coup ça sera transformé en ration. Et de cette manière on devrait être pas mal. Donc dans 2 jours, la température va baisser de 2 niveaux. Ça durera que 24 heures, mais ça va quand même picoter. On aura récupéré notre automate d'ici là heureusement. Là en termes de charbon, vous voyez qu'on s'est quand même bien rapproché. Hein. Donc une fois qu'on aura... Une fois qu'on aura les... comment... Le générateur qui tournera à fond, on en ramassera pas assez et pourtant on peut pas faire mieux. Techniquement on peut pas faire mieux. Enfin encore que si, eux ne travaillent qu'à 60%, donc on pourra envoyer des gens ici la journée. Ça sera un peu plus efficace, mais... c'est pas ouf quand même, hein. c'est pas ouf. Donc ils se réveillent, c'est parfait. Tranquillement ils vont retourner bosser. Donc dans une heure les foyers vont se rallumer et on va voir si ça remonte direct ou si ça remonte, si ça dégèle petit à petit, je sais pas trop comment ça se passe. On va voir. Alors du coup ça reste comme ça. Ah c'est peut-être 24 heures en tout, on a droit qu'à 24 heures sur l'intégralité de la campagne peut-être. On va voir. Alors on a terminé la puissance du générateur, donc voilà, là le charbon c'est le drame. Donc on va repasser en niveau 1, 2 secondes parce qu'on n'a pas besoin de plus pour l'instant. Et on va regarder du coup au niveau efficacité du générateur. Il consomme 10% de charbon en moins. C'est pas mal. Ici, il faudra qu'on fasse la seconde équipe pour avoir les traîneaux d'éclaireurs allégés. Ouais, c'est pas du tout une priorité. Isolation des postes de collecte, on s'en fout, on n'en a pas. Optimisation du charbonnage. L'efficacité des mines de charbon, les mines de charbon à vapeur et tout sera augmentée de 10%. Ouais, 10% c'est pareil, c'est pas ouf. Hein. Après, le problème de l'extracteur, c'est qu'il faut des gens pour le faire marcher. Et après, des gens pour ramasser le charbon, quoi. Et on a vraiment pas assez de monde, donc à mon avis, mieux vaut partir là-dessus. Ouais, je pense que... La scierie à vapeur, c'est pas trop dans le thème pour l'instant. La scierie à vapeur non plus... Ici on a quoi? Une infirmerie. Ah c'est pas mal l'infirmerie, mais on n'a pas de gros malades pour l'instant. L'isolation des cantines c'est pas trop un problème. L'isolation des serres ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien. Non elle est proche, notre serre, nos bâtiments de santé ils sont proches aussi, donc comme on va passer au niveau 2 de chaleur on sera bien. Non, ce qu'il nous faut c'est clairement c'est du charbon. On va en ramasser 10% de plus sur chaque, ça sera plus rentable qu'en avoir 10% de moins ici consommé je pense. En tout cas, on va dire que ça va fonctionner comme ça. Allez, avec un peu de bol, on va réussir à avoir assez de bois pour lancer un automate aujourd'hui. Ce serait cool.
ici il faudrait du monde, hein. Il faudrait plus de monde dans ce truc de charbon. On va repasser un EA4 là. Et on va envoyer ici. Il faut vraiment qu'on ramasse un max de charbon, quoi. Donc là, ça a l'air de remonter ou pas? Ouais, si, j'ai l'impression que ça remonte. C'était quand même à presque un quart. Donc ça remonte doucement ici, donc c'est cool. Allez, on est à 97, 99, 100. Parfait. Alors, il nous faut des gens pour bosser ici. Donc au niveau de la bouffe, on est bien. Donc on va prendre des personnes ici et on va les envoyer faire un premier automate. Voilà. Donc on a plus de bois, hein, forcément, ça se casse la gueule. Noyau de vapeur nécessaire, bah dis donc. Capitaine, l'ingénieur travaillant sur le projet automate vient d'envoyer son rapport, il a cassé l'automate emprunté. Ah bah merci. Les dégâts n'ont pas été pour rien, nous allons pouvoir le réparer et ajuster les autres automates pour qu'il travaille plus vite. L'ingénieur est de nouveau occupé, mais dit s'approcher de quelque chose de formidable. Ça sent le pâté. Alors, nous utilisons un noeud de vapeur, plus 5% d'efficacité des automates, et le mécontentement augmente, ou on peut pas se le permettre. Et ça... Bah, what? Mais ah, mais on perd un automate, j'imagine, si je fais ça. Ouais, j'imagine que là, parce que là, il y a quand même l'efficacité des automates qui augmente, donc j'imagine que là, on perd un automate, mais du coup, on a quand même 5% de plus. Mais non, on va lui donner, le mec. On peut se permettre d'avoir un peu de mécontentement, hein. C'est pas le drame. Ça monte même pas tellement c'est la teuf. L'automate défaillant a été réparé, parfait. Alors du coup toi, bah tu vas bosser au bois comme prévu. D'autant plus que nos éclaireurs, bon pour l'instant ils reviennent pas, mais quand ils reviendront ils ramèneront masse d'acier. Après est-ce que ce serait pas plus rentable? Je vais quand même vérifier parce que là on gagne 590 de charbon par jour. Si ici je vire tout le monde et je mets l'automate à la place. Ouais, on gagne beaucoup plus de charbon, donc on va faire ça. On va faire bosser les automates au charbon parce qu'ils sont qu'à 60%, enfin 65 maintenant. Mais ils bossent 24h sur 24, donc par rapport aux 8 heures de boulot des autres là, enfin aux 10 heures de boulot, c'est quand même vachement rentable. Vachement rentable. Donc on va faire l'inverse, on va faire bosser les automates dans les mines de charbon. On va augmenter de 10% encore l'efficacité des mines de charbon. Et les humains, ils iront couper du bois. Et c'est comme ça. Alors, une nouvelle recherche. Donc on va partir, je pense, là-dessus. Vu que maintenant on est bien en charbon, on va prendre les coupleurs de surmultiplicateurs. Ça va permettre que quand on activera ce truc-là, là, ça s'activera aussi sur les foyers de vapeur. Ce qui fait qu'en cas de drame, on pourra le faire temporairement pour aider les arches à survivre, quoi, tout simplement. Vu qu'il leur faut 24 heures pour geler, on pourra tout à fait l'activer pendant 12 heures, désactiver pendant 12 heures avant que le truc explose, et puis jouer un peu comme ça, quoi. Alors, nos mecs ont atteint une dune enneigée. Un point perceptible dans l'étendue. Nous pouvons l'utiliser comme point de repère pour continuer à explorer. Ouais, super. On a découvert une mine gelée. Bah c'est pas très loin. Une mine située à un endroit très dangereux. Ok, alors non, du coup non. Ici je sens que ça sent les vins pourris du genre le truc s'écroule. Donc on va les renvoyer avec leurs ressources avant de risquer leur vie si on peut. Ça remonte ici mais ça remonte pas vite, hein. Vous voyez que sur une journée entière c'est pas ouf comment c'est remonté, quoi. Donc là par contre il va falloir qu'on active les radiateurs avant que la vague de froid ne se pointe, parce que sinon on va douiller. Alors avec les radiateurs activés, on est toujours plutôt bien. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Ici le générateur, il se fait bien plaisir. Quand on active ça, ça met à 2 dans tous les foyers de chaleur, hein, donc également dans ces trucs là. Ça c'est cool. C'est très très cool. Au niveau noyau du coup, on n'est pas ouf. Eux ils en sont où de leur automate? Ils ont à peine fait la moitié, ouais. On va se calmer un peu sur les recherches, parce qu'on va quand même assez vite. Et on va essayer de faire de l'automate. Si on fait cet automate, on pourra libérer un poste et on pourra remettre des gens aux recherches assez aisément, quoi. Donc faut au moins qu'on arrive à faire un automate, ça serait cool. Au niveau de la bouffe, c'est un peu le drame. Au niveau des soins,
Il y a largement ce qu'il faut, donc on va envoyer quelqu'un bosser à la cuisine. On va faire ça comme ça, voilà. Le charbon se casse un petit peu la figure, mais normalement ça devrait pas durer. La bouffe, on va voilà. Le soin c'est tranquille, eux ils ont chaud dans leur maison, c'est la bonne nouvelle aussi. Donc là on va le sentir passer hein, la baisse de température, par contre il n'y a rien qu'on puisse faire pour ça. On pourra augmenter la température, mais ici je pense que si on passe à 2 du coup au niveau charbon on va être de nouveau dans le mal. L'avantage du surmultiplicateur qu'on est en train de rechercher, c'est qu'il ne consomme pas plus de charbon en fait. Donc vu qu'on est complètement sur un thème, faut chauffer que pendant 24 heures, enfin faut pas que ça soit froid pendant 24 heures, ça sera plus rentable d'avoir ce truc là qui permet de surmultiplier, plutôt que quelque chose qui augmente globalement et qui du coup consomme plus de charbon. Ça dit, je suis assez pressé d'avoir mon automate quand même. Ça permettra de faire bosser, je sais pas, dans les serres ou même la scierie et de couper ce truc là, là du coup il servira plus à rien. Je crois qu'on peut pas les couper complètement. Non, on peut pas les couper complètement. C'est dommage. Nous le renvoyer à la scierie peut-être, parce que c'est vrai que l'acier va commencer à diminuer. Faut pas oublier qu'il monte plus. On passe en vitesse 2 par contre, hein, sinon ça n'avance pas. Voilà, donc là, c'est le drame. Est-ce que c'est plus rentable d'activer les... Ouais non, parce qu'il fait froid même dans ce où il y a le radiateur, il fait froid. Celui-là il y a le radiateur et uniquement le radiateur il fait trop froid. Donc non, on va devoir passer au niveau 2. Ce qui ne changera rien pour cela, hein, cela étant dit. Mais voilà, du coup au niveau charbon, ouais c'est pas ouf mais ça va. Par contre il faut qu'on fasse des foyers de vapeur pour eux là, donc on va en faire un ici pour s'occuper de ces deux bâtiments là, et on va en faire un là pour couvrir, voilà on va le faire là, comme ça on pourra construire ici au chaud. Donc bah là même au niveau 2 c'est pas suffisant quoi, il fait trop froid. Il va être au minimum frais. Ah merde, c'est dommage ça. Ouais bah là on a, par contre va falloir qu'on le fasse puisqu'on n'a pas de... On n'a pas de bouffe, hein, donc il faut y aller. Il n'y a pas le choix. On va devoir prélever des gens au niveau de la recherche. Pour faire un peu plus de nourriture. Peut-être au niveau du bois aussi. On n'a plus non plus. On n'a pas besoin dramatiquement de bois. Non, peut-être pas tous quand même. Voilà. Par contre, on a besoin de soigner les gens malades. Et on a besoin de faire de la nourriture. Hein. Tout simplement. Allez, on va envoyer les gens qui manquent. Voilà, ici. C'est parti. Donc, il fait froid, mauvaise nourriture. Pourquoi mauvaise nourriture? Je leur fais pas de la soupe. Ça va bien aller, ouais, quand même, les gars. On va se détendre 2 secondes. Ici, est-ce que c'est utile d'avoir ça? Oui, c'est utile d'avoir ça. Zut. 15 heures restant. Oh putain la vache, ça pique. Ça pique tellement. On a même pas de quoi tenir toute la journée quoi. Et ça sera encore pire quand eux seront allumés. C'est ça qui est chiant. Ce qu'on va faire, c'est que vu qu'ils ne servent à rien, on va les couper. Voilà, ça va baisser un petit peu, mais ça va durer que 24 heures. On aura jusqu'à la prochaine vague de froid pour trouver un moyen. Les automates fonctionnent à merveille. Nous devons maintenant en fabriquer assez pour prendre en charge toutes les opérations critiques de la ville avant l'arrivée de la tempête. C'est la seule façon de garantir que les arches de semences supporteront la tempête. Ouais, je suis bien d'accord. Donc on a un automate de près, c'est parfait. On va l'envoyer là. Hop là, donc ça on réactive. Donc on a du coup une quête, hein. On a 14 jours. Pour employer au moins 2 automates dans l'industrie du charbon, un dans l'industrie de l'acier, un dans l'industrie du bois, et un dans l'industrie des vivres crus. Ok. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on en fasse encore au moins 2.
Du coup, eux, ils sont libres pour faire autre chose, donc ils vont aller faire de la bouffe et de la recherche. Ça, on va le désactiver de nouveau. Hop, notre petit automatisme se lève. On va essayer de faire la recherche du coup pour faire en sorte qu'il coûte moins cher d'ici le prochain. Donc là, on chauffe, on chauffe. Est-ce que c'est bien utile de chauffer? Je ne sais pas. Techniquement, bon, au moins eux, eux sont au chaud quoi. Enfin, encore, c'est pas ouf. Parce que techniquement, je sais pas si le truc va plus vite. Je sais pas si ça descend plus vite s'il fait plus froid quoi. On va tester, on va laisser la température redescendre après tout, on est là pour voir. À la recherche de noyaux de vapeur, nous n'avons plus de noyaux, mais nous pourrions peut-être en trouver dans des friches industrielles situées au nord et au sud d'ici. Ah, on a découvert des trucs. Ouais, bon, les friches industrielles, c'est pas la... Ça va quoi, c'est pas ouf. On a déjà bien fouillé. Ah non, ça y est, on a découvert d'autres trucs. Ok, très bien. Le col du sud et la vallée embrumée. Ben, on verra peut-être nos mecs quand on y sera, quand ils seront revenus. Pour l'instant, on a assez pour construire un autre automate. Ah, ici il fait très froid, oui, ici il faut peut-être que j'active quand même du coup ça, sinon ils vont crever les mecs. C'est un peu, hein, ce serait un peu triste. Je pense pas que ça descende plus vite s'il fait très froid parce que il disait que ça durait au moins 24 heures quoi, donc je pense qu'on n'est pas trop en stress là-dessus. On a 4 malades par contre. Il faut qu'on fasse du stock de charbon. Eux nous en ramènent un petit peu du charbon, hein, 200, ça va aider. Qu'est-ce qui se passe ? Capitaine, le projet automate est terminé. Les automates peuvent maintenant être construits à moindre coût et utilisés dans les centres médicaux. Ah bah c'est cool, tiens. Nous pouvons maintenant modifier les automates avec des pièces de précision, leur permettant de travailler sur la chose la plus fragile que nous connaissons, le corps humain. Nous pouvons également retirer certaines pièces non essentielles. Les automates peuvent être utilisés dans les centres médicaux et le coût des automates diminue de 5%. Bien joué les mecs. Donc ça nous fait une recherche du coup. Qui était où? Qui était là? Ok, bah très bien. C'est parfait, c'est parfait. Bon, je sais pas si ça sera très utile pour l'instant de les foutre dans les centres médicaux, mais c'est toujours ça de prix. On va pas s'en plaindre. Allez les gars, au taf. Donc là au niveau du charbon on fait du stock, donc on pourra, on devrait pouvoir tenir. Hop là. Voilà, on a recherché le coupleur du surmultiplicateur, ce qui va nous permettre de l'activer pendant la nuit. Ça ne nous consommera pas de charbon. Et ça c'est très très bien. Et du coup il nous faut une nouvelle recherche. Alors, automate éclaireur. Augmenter de 1 la limite d'éclaireur, envoyer des automates faire des éclaireurs, ok. Pourquoi pas, mais c'est pas trop le thème non plus. Des meilleurs Siri, bof. Qu'est-ce qu'il nous faut pour ça? 100 et 50, ouais. Isolation des bâtiments de santé, ça nous permettrait d'économiser du chauffage. L'infirmerie également, hein, qui est beaucoup mieux chauffée. L'efficacité du générateur, ouais non, il nous faut ça, il nous faut ça. Il n'y a pas de débat, il nous faut ce truc là. S'il consomme 10% en moins, ça fera toujours moins que les 200% de là, là. Donc ici, celui-là on l'activera pour la nuit, celui-là on l'activera pour la nuit, et on mettra un petit coup de surmultiplicateur pendant la nuit. On va faire ça à 20h et je pense qu'on se quittera là du coup. Celui-là il travaille que la journée, par contre celui-là du coup il va s'activer. Bah quoi que non, je suis con, il est proche des... non non, il faut qu'il tourne tout le temps. Ils sont proches des arches aussi donc... Par contre le niveau de portée 2 est peut-être pas utile, hein, on va redescendre à ça. Les éclaireurs sont rentrés en ville. On va bien sûr les renvoyer, mais d'abord on va prendre leurs ressources.
Alors, consultez la carte. Col du Sud ou vallée embrumée. Une vallée profonde dominée par un épais brouillard. Difficile de voir grand-chose depuis notre position. Ou un passage étroit entre deux escarpements montagneux. Nous pourrions essayer de traverser pour rejoindre la prochaine vallée. Ouais, je vais les envoyer à la grotte plutôt, les mecs. On va commencer par ça. Donc ça ici, il fait trop froid, mais c'est pas grave vu qu'elle ne bosse pas à cette heure-ci. Tout simplement. Et on va activer le petit surmultiplicateur pour la nuit, comme ça eux auront chaud dans leur maison. Et on voit que ça suffit pour que les arches ne gèlent pas. Par contre, là c'est un peu le drame. Hein. Comment ça monte vite quoi. Ici c'est bien pendant les heures de boulot, donc c'est ok. Bon. Donc ici il est en dehors de la portée, c'est ça, c'est trop gros ce bâtiment, bah, c'est pas grave. D'ailleurs, il y a complètement le chauffage qui tourne, on va le couper. Ça sert à que dalle. Ici aussi. Et globalement, sinon ça va, je l'avais allumé où ici aussi, donc on va le dégager ici. Voilà. Ah zut, on a plein de malades. Merde. Ici, alors on est comment au niveau nourriture et tout, on n'est pas ouf. Hein. Il nous faut du monde pour notre deuxième centre médical, malheureusement il fait trop froid. Donc on va l'activer ici, tant pis. Et on va mettre des gens à travailler dedans. Donc les ingés là qui faisaient des recherches, bah ils vont devoir faire un petit peu les médics pendant quelques temps. Et du coup on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. C'est pas facile mais on est plutôt bien je trouve. Hein. Notre objectif va être de faire la recherche assez vite pour pouvoir faire les automates moins chers et de faire un deuxième automate. Après, il deviendra urgent de trouver des noyaux. Mais déjà, on a pu augmenter de 5% les automates et en plus, ils coûtent 5% moins cher, donc du coup, c'est quand même vachement bien. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en pensez, et du coup, on se retrouve demain pour la suite. Merci à toutes et à tous.